Bonsoir, chers téléspectateurs. Heureux de vous retrouver au compte de votre émission Rétro sur la télévision nationale. C'est le tout premier numéro de votre émission. C'est une façon pour la direction générale de la RTG de donner la chance un peu à ces célébrités qui ont marqué toute l'histoire de la musique africaine. À travers cette émission, nous allons également permettre à ces nostalgiques de revisiter un peu ces classiques qui ont marqué l'histoire de la musique africaine de Guinée. Aujourd'hui, on a pensé à cet orchestre créé en 1993. Sous l'initiative de Féali Baradiakité avec la maison Conakry Magari à l'époque. On se rappelle, à l'époque, des artistes africains débarquaient à Conakry. Il fallait un orchestre pour accompagner ces musiciens, d'où la naissance du groupe standard de Ousmane Camara, Petit Condé. Cet orchestre est sur pied. Ils ont pu regrouper un peu tous ces musiciens qui ont marqué l'histoire de ce pays, Atlantic Melody, Diru Band, Kelletigui Setambouluni, Kebendo Jazz, Niandan Jazz. Bref, tous ces géants sont dans ce groupe, accompagné par Ousmane Camara, Petit Condé. Pour commencer le tout premier numéro de votre émission Rétro sur la télévision nationale, on va partir avec trois titres. Après ces trois titres, il y aura le tout premier invité sur le plateau. On commence par le titre Dosoké de Kelletigui Setambouluni. Dosoké, pourquoi? Parce que nous sommes ici à La Payotte. C'est l'espace réservé à cet orchestre qui a fait le beau temps de la musique guinéenne. Ensuite, l'un des titres de Diru Band qui va venir. Et on va terminer par Kaira de Bala et ses baladins qui sera chanté par Cheikh Pénon Traoré. Mesdames et messieurs, trêve de commentaires. On va commencer par le titre Dosoké de Kelletigui et Setambouluni. On applaudit s'il vous plaît. Don't so care that he might be there.
Valentin, tous au quai. Malentin, dans au quai. Alors les frères m'ont dit, dans au quai, dans l'humanité. Malentin, tous au quai. Malentin, dans au quai. Alors les frères m'ont dit, dans au quai, dans l'humanité. Pina si la lidane n'a pas ton miri les mawain, molo, barawa. Alito fasa de fanyi fire ma yarabi do inana dena.
fisade. Yeah, oui, yala, ira fe fara fisade. Ena tu ya na manyere ma sabu namma, ira fe fara fisade. Ena tu ya na magirima sabu namma, ira fe fara fisade. Ena tu ya na masalama, na manyere ma sabu namma, ira fe fara fisade. Yeah, yeah, diore, ira fe fara fisade. Yeah, oui, yala, ira fe fara fisade.
ma ba yonka lo faravina darabodi yene niyon na boye nyaba tu ma ba yonka lo faravina darabodi yene lagine dumara darabodi yene mumate kene make les spectateurs, vous l'avez compris, on a commencé par les trois premiers titres de cette émission. Rétro sur la télévision nationale, on a commencé par Don Soket de Keletik et Setambulini. Ensuite, le titre de Dirubandre de Kindia. On a terminé par la chanson Kaira de Balassé Baladé. Vous avez constaté, c'est Cheikh Penaud Traoré, un ancien de la formation de 540, Djouliban de Farana. J'ai ici dans cette émission M. Ablaye Senkou Kaba. Bonsoir, M. Kaba. Bonsoir, M. Kamara. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Plaisir partagé, cher Alors, frère. Qu'est-ce que cela vous inspire dans cette émission ? Et avant de donner mes sentiments, je voudrais tout d'abord te remercier et à travers toi, remercier le groupe Standard qui fait revivre la musique guinéenne. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée a toujours été champion, tant sur le plan de la décolonisation, sur le plan sportif, aussi sur le plan culturel. D'accord. Je vais remonter un peu à 1958, quand on a eu notre indépendance. Mm-hmm. En 1958, on a créé ce qu'on appelait Sili Orchestre, oui. Qui s'est divisé en 1901 de notre indépendance, oui. Où on a eu Keletigi, Balaïsé, Baladin, etc., etc. D'accord. Ils se sont imposés à travers le monde. Je suis d'accord. Et ces orchestres-là ont fait la fierté de l'Afrique, pas seulement la Guinée. Mm-hmm. Vous n'êtes pas sans savoir que les grands artistes de l'Afrique, surtout un gars comme Franquin Boukaka est venu ici pour faire un duo avec l'orchestre Keleti, l'orchestre des intellectuels. Donc c'est pour cela que je voudrais encore une fois te remercier, remercier le ministère de la Culture et le gouvernement guinéen qui est en train de relancer la culture guinéenne parce qu'on ne peut pas accepter qu'on soit premier et enfin qu'on soit les derniers. Je suis d'accord Donc, avec vous. Je voudrais encore une fois remercier le groupe Standard et l'ensemble de tous les artisans. Inclus-toi. On va continuer l'animation, mais bien avant, le mot du département à l'endroit des téléspectateurs. Ok, je voudrais encourager tous les téléspectateurs et tous les mélomanes de venir une fois par mois à La Poète ici pour assister à cette émission qu'on appelle Retro, que moi j'appelle Les Beaux Vieux Temps. Les Beaux Vieux Temps BVT. Chers téléspectateurs, juste après les trois premiers titres, nous allons continuer la programmation. On va se rendre à la baie. C'est parti avec Sarsan Oulé Kaba de Super Colima Jazz de l'Abbé, toujours avec le groupe Standard de Petit Condé. Yo, orchestra me on
Spectateurs, c'était l'ensemble Camara Petit Condé du groupe Standard. Rapidement, on va aller avec la rubrique au chevet de nos célébrités. Cette rubrique est animée par Mohamed Bangoura, histoire pour nous de rappeler un peu toutes ces célébrités qui ont marqué l'histoire de ce pays. On va suivre la rubrique et juste derrière, on va revenir pour suivre la prestation de Galum Star, Betty Anamo. Thank you.
des inventeurs de quelque chose que nous n'avons pas pu exploiter. C'est ça la réalité. C'est pas pour rien que tout le monde se jette sur le djembé. C'est parce que le djembé, la musique, tout ce qui est rythmique, ça de l'âme. Partout dans le monde, vous demandez tous les djembéfola du monde comment vous appelez. Ils vous diront jamais Kouyaté. Je suis la seule personne Kouyaté qui joue le djembé. Parce que ça a été ma destinée. Mon père lui faisait le mamaya à Kouroussa. Il s'appelle Telenke Mamadi Molonde. J'ai commencé à travailler avec les balafonistes, les batteurs, on faisait le mamaya, le dundum, les baptêmes. J'allais avec un vieux père, son âme qui s'appelle vieux Bangali. Donc j'étais un petit batteur guinéen, j'ai joué avec le Bembeya, j'ai joué avec Keletini pendant 20 ans. J'ai été le deuxième tubiste de l'Orchestre National Guinéen. Ça c'est le présent. Feu Amin Sékoutoué qui m'a proposé à Myriam Makeba. Elle a eu un problème avec ses artistes. Et les artistes là, on les a convoqués à la police. Donc elle devait voyager en Italie le même jour pour un concert. C'est ainsi qu'elle a dit. Elle a été chez le président, feu président, merci Couturieux. Feu président, j'ai un problème. Le président dit quoi? Oui, mes artistes ont eu des problèmes avec moi. Et moi, je dois absolument être aujourd'hui en Italie, demain soir pour un concert. Si je ne pars pas, ce n'est pas bon. Le président dit, qu'est-ce que tu as besoin? L'argent ou quoi? Il dit non. J'ai besoin d'un batteur qui peut faire mon honneur là-bas. Donc le président a dit, bon, moi je vais vous donner un artiste que j'ai vu au palais. Je crois que lui peut vous faire plaisir. Le plus grand souvenir, c'est Myriam qui m'a lancé. Un homme ne doit être reconnaissant. Vous savez, si quelqu'un vous donne l'argent, il vous donne la femme, il donne tout, tu n'es pas reconnaissant à lui, tu vas être reconnaissant à qui? C'est ça l'erreur de la culture guinéenne. On ne reconnaît pas la valeur des hommes, c'est quand ils meurent. Donc moi, je ne serai jamais un grand de Myriam. Je la respecte et je demande bon Dieu que Dieu la donne. Paradis, comme des chenons, en Djenna. Mon état de santé, je ne vois pas. J'ai mal aux yeux. Si mon esprit, c'est puissant. Hein? Moi, je peux même commander la Guinée. Ce qui m'intéresse, la dignité de mon pays, l'honneur de mon pays, la paix dans mon pays et la valeur. Je tiens à remercier quelqu'un qui m'a toujours aidé, M. Antonio Soare et M. Stokera. Le président Amer Sékoutoué, il m'a donné tout. Vous comprenez? Voilà, je demande à bon Dieu qu'il le donne à Djenna. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les artistes africains, qu'on comprenne qu'on n'a pas le complexe, qu'on est les meilleurs.
Badiana moi, canaton son, doni, canadi miyama, yerevi. Nanana, Badiana moi, canaton son, doni, canadi miyama, yerevi. Nemanana, wanana, de fe, Badiana moi, canaton son, doni, canadi miyama. Na 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 na, Badiana moi kana konsa mo mi kana.
vale fundiamo la no. Che le da pomboncio oncio. Bana yeya pema yeya, migele lonte. Bana loya pema loya, migele lonte. Bana yeya pema yeya, migele lonte. Bana loya pema loya, migele lonte. Chende sina gine, chonde na chonde. Chende sina gine, chonde na chonde leba.
Chers téléspectateurs, nous étions dans le pays qu'ici, précisément à Gekedou, avec le célèbre Kébé de Jazz, des noms
pas des moyens. On se rappelle un peu de Abdou Damba, qui était un excellent trompettiste. Le frère Kassim Sako, qui était à la guitare solo. Le frère Mamadi Traoré, le frère Mamadi Grosbois du Bembeya Jazz National, qui était dans cette formation du célèbre Kebedo Jazz, qui a été à deux doigts d'être nationalisé, chers téléspectateurs. Voilà ce qu'on pouvait retenir de votre émission rétro, ici à la Payotte. Le premier numéro, c'était avec le groupe standard de Asman Kabara. Vous avez vu un peu ses reprises. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Donc, c'est une émission réalisée par Mamadou Bouy, Caméra, Sana Bitfé, Amara Koba et Sana Tondon Kamara. Merci, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.